beaucoup pour Marc Millar qui vient d'annoncer une prise de guerre absolument incroyable. Et oui, Marc Millar, après avoir débauché pendant des années les meilleurs artistes Marvel, je pense à Steve McNiven, John Romita Jr., je pense évidemment à Stuart Immonen, à Olivier Coipel, eh bien, il a encore frappé très fort puisqu'il vient d'annoncer qu'il venait de prendre les deux nouvelles stars de Marvel et DC, à savoir Jorge Jiménez, dessinateur de Batman, et le fabuleux Pepe Larraz, dessinateur de X-Men en ce moment, qui a fait House of X, que vous avez certainement lu. Et oui, et oui, et oui, Marc Millar a débauché les deux artistes. Alors sur quoi vont-ils travailler? Deux projets dont le premier arrive en janvier 2023. C'est tout simplement la suite très attendue de la série Nemesis. Il y a eu une série Nemesis il y a quelques années, l'histoire d'un chevalier blanc, bien avant Batman White Knight, sorte de Joker habillé en Batman, et une histoire qui dérangeait, qui perturbait, et qui a marqué son temps. Elle était magnifiquement illustrée par Steve McNiven, qui vraiment nous a régalé dans des scènes d'action absolument fabuleuses. Et ça fait, quoi maintenant, une dizaine d'années qu'on nous promet la suite, qui d'ailleurs devait être dessinée par Steve McNiven lui-même. Mais vous le savez, depuis que Marc Millar a vendu son catalogue à Netflix, il se permet de remplacer les auteurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, pendant longtemps, les dessinateurs ont été propriétaires des séries. Ils avaient 50% des droits. Et donc, ils étaient invités à revenir s'ils voulaient avoir la suite. Maintenant qu'ils ont vendu leurs droits, c'est-à-dire que Steve McNiven, qui avait 50% des droits de Nemesis, eh bien, a vendu ses droits. Et Steve McNiven, il a pris un énorme chèque, on peut le dire. Hein. Il est aujourd'hui millionnaire. Et oui, je pèse mes mots, il est millionnaire. Eh bien, il a décidé qu'il n'avait plus trop le droit, pas le droit, mais qu'il n'avait plus trop besoin d'aller dessiner. Donc, du coup, il ne dessine pas ou plus, voilà, tout simplement. Et donc, Nemesis, on devait avoir une suite, donc un Nemesis 2 depuis maintenant des années. Et, eh bien, on n'a pas eu cette suite pendant longtemps. Et donc, ça arrive en janvier 2023 et ce sera dessiné par Monsieur Jorge Jiménez, et ça va être absolument génial. Évidemment, ça arrivera courant 2023 chez Panini en France, mais ça arrivera en VO en janvier 2023. L'autre série, elle sera dessinée par Pepe Larraz. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien à montrer pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que ça s'appelle Big Game, et qu'a priori, c'est un crossover entre toutes les séries Millar World, la rencontre au sommet de plusieurs personnages. On pense évidemment au très gros succès de Marc Millar, hein, Magic Order, dessiné par Olivier Coipel, ou le fabuleux Jupiter's Legacy de Monsieur Frank Quitely, qui pareil est à l'abri du besoin maintenant puisque il a vendu à Netflix et que il est millionnaire. Je vous rappelle donc l'info incroyable, cette info absolument géniale, cette info absolument fabuleuse qui nous est arrivée et qui vraiment nous fait plaisir. Donc la suite de Nemesis, Nemesis 2 par Jorge Jiménez, et donc une série qui s'appellera Big Game, un crossover a priori, dessiné par Pepe Larraz, le tout scénarisé par un Marc Millar qui est revenu en forme. Hein, Jupiter's Legacy 3 était absolument génial. Je vous rappelle que Magic Order 2 sort en août, ça c'est la VO, et je vous rappelle que il faut découvrir tout le catalogue, évidemment, tout le catalogue de Millar World. Je vous rappelle que le tome 1 et le tome 2 de Jupiter's Legacy sont à 10€ pièce, donc ça vous fait 20€ pour un pack. Donc c'est l'occasion de découvrir tout ça. Je vous rappelle que Magic Order tome 1 est disponible, c'est dessiné par Olivier Coipel, et que Magic Order tome 2 arrive, bien entendu, dans ce mois d'août, et ça va être absolument génial. On n'a pas fini de lire des jolies choses et on n'a pas fini de se régaler. C'est une grosse info et c'est absolument génial. Retrouvez tout le catalogue Marc Millar, Millar World, avec l'ensemble des séries dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Complétez votre collection et on vous tiendra au courant des sorties VF de ces séries très attendues. Salut.